अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता है। चुटकी भर बरसात ना, qu'est-ce qui se passe? Ishika, allez à l'eau. Ishika, sauvez-la. Roup. Roup. Oh. Ishika! Non, personne n'ira dans l'eau. Reculez. S'il vous plaît, faites quelque chose. Allez. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Mais faites quelque chose, s'il vous plaît. Vas-y, tu peux sauter dans l'eau. Oui, vous tous, sauvez-les. Reculez. Pitié. Ishika. Oh. Oh. Monsieur, vous tous, allez, reculez. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous criez tous autant? Mais il y a Ishika qui se noie. Et Roup aussi. Roupendra, Roup a sauté. Oui, sauvez-le. Je vous en prie, sauvez-le. Je vous en prie. Il faut que vous le sauviez. Roup. Non, monsieur, arrêtez. Le courant ici est vraiment très fort. Il serait trop dangereux d'aller dans l'eau ici. On essaie de les sauver. Alors, avancez. Allô? Allô? Vous entend pas? Oui, deux personnes sont à l'eau. C'est une urgence. Envoyez les plongeurs. Oui, faites vite. Des plongeurs, je vous dis. C'est bien toi qui as poussé cette fille Ishika dans l'eau, n'est-ce pas? Ne nous mens pas. Nous t'avons bien vu pousser Ishika dans l'eau. En venant ici, nous avons aussi vu
que pour sauver Ishika Urupendra, t'es jeté à l'eau. Et maintenant, en te voyant dans cet état, je peux comprendre que... Que tu es amoureuse de Rupendra. C'est bien ça, oui. J'aime Ishika. Oui, j'aime beaucoup Rupendra. Oh, on se connaît depuis l'enfance. Il est mon meilleur ami. Mais cette Ishika... Maintenant, nous allons te poser une seule question. Tu dois donner une vraie réponse. Peut-être qu'en donnant la réponse, tu pourras alors comprendre ce que tu dois faire dans ta fille. Maintenant, supposons que c'est Rupendra, que toi, tu aimes à sens unique. Et là, il y a Rupendra qui est ton meilleur ami depuis votre enfance. Maintenant, toi, tu dois choisir qui tu choisiras. Je ne veux pas perdre mon ami d'enfance pour mon amour qui n'est pas réciproque. Pour moi, cette amitié est la plus importante. Roup est important. J'ai vraiment fait une grosse erreur. Merci. Merci beaucoup. Et grâce à vous deux, j'ai réalisé que j'avais tort et que j'ai fait une erreur. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, tu as compris ? Mais quelle grosse erreur j'ai faite! Hardy! Quoi? Ce qui veut dire que tu... Oui, j'ai poussé Ishika dans la rivière, j'ai fait une très grosse erreur, je suis désolée! Qu'est-ce que tu as fait, Pala? C'est vrai! Tu sais bien que Rupendra est amoureux de Ishika et il va l'aimer pour toujours. Et écoute, le plus tôt tu vas accepter cela, le mieux ce sera. D'accord! Et maintenant, dépêchons, on doit aller chercher Ishika et Rupendra! Qu'est-ce que c'est? Dites-vous là avec les mains sur votre taille. Vous réalisez qu'elle est bien une personne, voyons! Elle n'est pas une statue de sable qui va se fondre dans la rivière! Cherchez-la! Ah mais, au cas où on peut vous aider, alors dites-le nous! À la bordure du village, le niveau de l'eau est plus bas. Et le courant diminue aussi, donc... Donc, on va aller chercher au bord du village, hein? Moi, je ne veux pas. Mais s'ils vont mourir, alors c'est bien. Mais s'ils survivent, alors ils ne doivent pas être ensemble. Oui. Nous irons ensemble. S'il y a plus de gens, alors il sera facile de chercher. On va les retrouver au plus vite. Hein? Viens. Ishika! Vous l'avez eu? On ne la voit nulle part. Nous allons devoir la chercher ailleurs. Là-bas. Allons. Partons.
Ishika! Ishika! Ishika, réveille-toi! Ishika! Ishika! Dieu merci, elle est toujours en vie. Ouvre les yeux. Ishika! À l'aide! À l'aide! Eh oh! Y'a quelqu'un? À l'aide! Ishika, ouvre les yeux. Regarde, nous sommes sur les rivages. Hein? La marée monte. Allez, ouvre les yeux, Ishika. Ishika! Ishika! À l'aide! Ishika, ouvre les yeux. Ishika! Ishika! Autant que je connais Rupendra. S'il est revenu, alors il a dû revenir par la rivière. En allant le long de la rivière, il va sûrement essayer de trouver le chemin. Je dois les envoyer loin de la rivière. S'ils restent tous par ici, alors ils vont trouver Rupendra et Ishika. Venez là! Vous ne les trouverez pas ici, faites une chose. Allez chercher dans la forêt. Allez, partez. Allons plus vite! Moi, je vais aller chercher ce Rupendra. Si je ne réussis pas à trouver Ishika avec lui, alors je continuerai jusqu'à ce que j'arrive devant elle, c'est sûr. Ishika. Ah, mais... Où je suis? Dieu merci. T'as repris connaissance. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien, oui, mais... On est où, dis-moi? Où est-ce que tu m'as emmené? Je ne t'ai pas emmené là. Tu nous as emmenés ici. Ton pied a dû glisser, t'es tombé à l'eau. Tu t'en souviens? Tu allais te noyer, est-ce que tu te rappelles? Mon pied n'a pas... Il n'a pas glissé, non? Quelqu'un m'a poussé dans la rivière, je m'en souviens bien. Toi, tu m'as poussé, n'est-ce pas? C'est toi qui m'as poussé, parce que tu aimes bien jouer au héros. C'est pour ça que tu m'as fait ça, c'est sûr. Et si je m'étais noyée, alors? Premièrement, tu te remets à me critiquer, Ishika. Je ne t'ai ni poussé et ni aime jouer au héros.
Et deuxièmement, si t'es en train de respirer, n'est-ce pas? C'est grâce à moi. Et toi, tu disputes avec moi. Disputer? Crois-moi! Je ne veux même pas te parler! Où vais-je aller? Et où est-ce que tu vas? Attends, mais où est-ce que tu vas? Maintenant, je me rends compte que nous sommes perdus! Je me demande comment on va sortir d'ici! À l'aide! À l'aide! C'est bon, ça sert à rien de crier, j'ai déjà essayé! Toi, tu as essayé, d'accord? Moi, je n'ai pas encore essayé! Je dois rejoindre mes amis avant que le soleil ne se couche et avant qu'il ne fasse nuit, voilà, c'est tout! C'est pas un embouteillage que tu peux quitter pour rentrer. D'accord, c'est un endroit désert ici. Si j'avais su que tu réagirais ainsi, je t'aurais laissé inconsciente et je t'aurais ramené chez toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu aurais pu me laisser inconsciente, c'est bien ça! Qu'est-ce que tu veux dire? Tu voulais une excuse pour me toucher, c'est ça? Espèce de voyou! Bon d'accord, peut-être que je suis un voyou, mais sois raisonnable. Fais sécher tes vêtements. Maintenant quoi? Sécher mes vêtements? Pour que tu puisses me regarder davantage. Oh, mais non. Monsieur Rupendra, moi je dois là maintenant aller retrouver tous mes amis, c'est tout, compris? Pourquoi tu dois crier comme ça? Attends, attends! Mon Dieu, où dois-je aller? Ah oui, on va de ce côté. Oui, je pense que si on marche le long de la rivière, on peut trouver un village. Allons, viens. Non, merci. Pas encore la rivière. On ira de ce côté, voilà. J'ai cru entendre le son d'une voiture et je pense qu'il y a une route ou une autoroute par là-bas. Le son d'une voiture? Dans la forêt? Tu serais devenue folle ou quoi? On est perdus, ce n'est pas une aventure. Allez, allons de ce côté, viens. Non, merci. Je n'irai pas par là, je ne te fais pas confiance. Je vais par là, c'est décidé, c'est tout. Mais pourquoi tu n'as pas confiance? Mais attends, mais... Attends! Non, je ne veux pas! Attends, Ishika, où est-ce que tu Idiot. Vas? Laisse-moi! Oh. Attends, Ishika! Qui appelle de la maison? Allô? Alors, Amdir? Mais où es-tu? Tu n'es pas rentré depuis hier. La sortie que fait Rupendra. Eh bien, je le rejoins. Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? La police doit intervenir n'importe où. Donc, quoi faire? C'est notre travail. Et à cause de ton Rupendra chéri, tout est en désordre ici. En arrivant, j'ai appris que... Rupendra est tombé dans la rivière. Il est perdu. On ne le retrouve pas. Jusqu'à l'heure, je suis à sa recherche. Quoi? Rupendra est tombé dans la rivière? Hein? Mais qu'est-ce que tu dis là? Maman! Allô, passe-le-moi. Maman! Maman, Jigna, Rupendra! Qu'est-il arrivé à Rupendra? Quoi te dire, mon oncle? Il s'avère que c'est... cette histoire de fille encore. Quoi? Maman dit toujours, ce qui arrive, c'est pour le bien. Peut-être qu'en me mettant dans cette situation, le bon Dieu me signale que Roup, tu dois dire ce que t'as sur le cœur. Tu n'auras pas de meilleure chance que celle-là. Ishika, tu te rappelles que
t'avais dit que je voulais te parler d'une chose. Donc... Tu peux me dire ce que t'es en train de faire? Donne-moi ton blouson. Ah mais je ne suis pas ce genre de garçon. Moi non plus, je ne suis pas ce genre de fille. Ah, tes mauvaises blagues. Retire ton blouson. Mais pourquoi? Je t'ai dit, enlève ton blouson. Et vite! C'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle veut, cette fille? Mais... Ah, qu'est-ce ça, que tu fais? Ici. Attrape-le bien fort, d'accord? Oui. Il ne doit pas bouger. Hé, l'hélicoptère ne viendra pas. À l'aide! À l'aide! Il y a quelqu'un? Moi, je suis coincée ici avec ce garçon. Le blouson est encore trempé. Oh ! C'est quoi cette insolence ? Tu profites de la situation. T'as fini ? Tiens, mets-la. Je ne veux pas de ta chemise. Alors si la fièvre augmente, tu ne pourras pas aller plus loin qu'ici. Alors comment est-ce qu'on va rentrer ? Je vois que tu t'inquiètes beaucoup pour moi. Merci de t'inquiéter ainsi. Mais cette fièvre que j'ai là maintenant, c'est à cause de toi. Et aussi ce mal de tête que j'ai, c'est aussi à cause de toi. Quoi? Et ce froid que j'ai là maintenant, c'est aussi à cause de toi. Vraiment, partout où tu te trouves, il y a toujours un problème, tu me causes des ennuis. Vraiment, tu es dans ma vie une personne malchanceuse. Monsieur malchanceux! Toi, tu es la têtue. Allons longer la rivière, c'est non. Prends la chemise, c'est non. Sèche tes vêtements, c'est non, c'est non. Chaque chose, c'est non. Je pars par ici, et toi, tu pars là-bas. Ha ha ha! Pars de ton côté, je n'ai pas besoin de toi, je chercherai mon chemin! C'est bon! Il y a quelqu'un? Mais il n'y a personne ici! Oh mon Dieu! Que vais-je faire? Il y a quelqu'un! Il y a quelqu'un! Rupendra! Pardon, mon Dieu. Je devais faire peur à Ishika avec la voix du tigre. Avant, c'était pour m'amuser. Mais aujourd'hui, je devais bien le faire. Parce qu'aujourd'hui, un tigre peut vraiment venir. Et elle est malade. Je l'ai fait pour sauver Ishika. Pardon.